Bon après-midi encore une fois et bienvenue chaleureux à tous nos anciens élèves du CESA sur le webinaire « Comment les institutions nationales de surveillance influent-elles sur la gouvernance du secteur de la sécurité ?» Je m'appelle le Dr Catherine Kelly et je suis donc le doyen académique au CESA. Et surtout, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est notre série trimestrielle, justement, sur l'état de droit et le secteur de la sécurité. Les perceptions de ce secteur dépendent du d'équilibre des pouvoirs, les libertés civiles, le suivi et le contrôle formel, les institutions telles que les corps des inspecteurs, le Parlement, les forces de sécurité et aussi les commissions anticorruption jouent un rôle clé pour assurer la confiance dans les services de sécurité et bien établir l'état de droit dans le secteur de la sécurité. Nous espérons aujourd'hui montrer les forces et les faiblesses du secteur de la sécurité vis-à-vis des institutions formelles internes de l'État et aussi pour renforcer, conçu et engagé pour renforcer le contrôle démocratique et civil du secteur de la sécurité. Pour avoir plus d'informations sur le travail du CESA sur ces thèmes, veuillez bien vous rendre sur le site web. Mais avant de commencer la discussion d'aujourd'hui, je vais vous passer la parole à Daniel Hampton, colonel à la retraite, qui est le directeur intérim du CESA. Bonjour à tous ou bon après-midi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, de votre intérêt dans ce thème si important. Comme Dr. Kelly a mentionné, je suis le débiteur par intérim et adjoint pour le CESA. Nous avons beaucoup d'anciens élèves qui sont avec nous aujourd'hui et ceux d'entre vous qui connaissent le CESA, je vais brièvement vous dire un petit peu qui nous sommes. Le CESA a été établi par notre congrès en 1999 pour l'étude des questions de la sécurité concernant l'Afrique et sert comme forum de recherche, de communication et d'échange d'idées. Pour réaliser ce mandat du Congrès, nous avons élaboré l'énoncé suivant de faire avancer la sécurité de l'Afrique en approfondissant la compréhension, la confiance, développer des partenariats, étant un catalyseur pour trouver des solutions au sein du CESA. Nous sommes organisés sur trois piliers. Le premier, c'est la section des affaires académiques qui organise des séminaires, des ateliers de travail, des événements tels que celui auquel vous participez aujourd'hui. Deuxièmement, c'est des communications stratégiques et les recherches. Si vous ne connaissez pas notre site web, je vous encourage de vous y rendre. Toutes nos publications s'y trouvent dans des langues multiples. Nous avons aussi beaucoup d'articles sur des thèmes pertinents. On vous encourage d'utiliser donc ce site web comme ressource habituelle. Notre troisième pilier, c'est les affaires des anciens étudiants, des anciens élèves, pour renforcer, maintenir nos relations. Vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Mais nous ne voulons pas que ce ne soit que pour 90 minutes. Nous voulons que vous fassiez partie de la famille du CESA, utiliser nos ressources, nous demander comment on peut vous rendre service. Nous voulons rester en contact avec vous et nous espérons que ça sera pareil pour vous. Je suis très contente de ce webinaire que le Dr. Kelly a organisé pour nous aujourd'hui. Comment est-ce que, justement, les institutions nationales du contrôle influencent-elles la gouvernance du secteur de la sécurité? Nous parlons souvent du contrôle, de la transparence et aussi la redevabilité. Cela commence avec les organisations, les organismes de médiateurs, et les corps des inspecteurs, et c'est comme ça que nous pouvons assurer la transparence au sein des institutions. Je suis ravie donc de ce webinaire, les présentations des panélistes et puis le dialogue que nous allons partager tous ensemble. À vous la parole, Dr. Kelly. Merci, Dan.
En ce qui concerne les objectifs de ce séminaire, nous espérons qu'avec les intervenants que nous avons aujourd'hui, nous allons examiner le potentiel et les performances actuelles des inspections militaires, des institutions de médiation, des corps législatifs, des commissions indépendantes des droits de l'homme, de lutte contre la corruption pour faciliter l'état de droit et le professionnalisme militaire dans le cadre d'un processus plus large de contrôle démocratique et civil du secteur de la sécurité qu'a été envisagé dans le cadre politique de l'Union africaine de 2013 sur la réforme du secteur de la sécurité. Nous espérons aussi réfléchir aux contraintes des institutions officielles de contrôle du secteur de la sécurité dans la poursuite de la mise en œuvre du cadre de l'Union africaine pour le contrôle démocratique et civil du secteur de la sécurité, ainsi qu'à la manière de surmonter ces défis afin de renforcer le professionnalisme des forces de sécurité africaines au service de l'État de droit. On va aussi discuter des moyens par lesquels les acteurs étatiques et sociaux africains peuvent renforcer ces institutions de contrôle. Ne sera pas enregistré. Je vais maintenant présenter les panélistes. S'ils peuvent me rejoindre. Ils proviennent de parties différentes du continent de l'Afrique. Ce sont des experts chevronnés. Nous avons beaucoup de chance de les avoir avec nous, de partager leurs connaissances, de nous donner des perspectives de l'Afrique de l'Ouest et du Sud. Nous avons tout d'abord le brigadier général professeur Dan Kouali, qui sert dans les forces de défense du Malawi en tant que chef des services juridiques et juge avocat général. Il est professeur extraordinaire de droit international et de relations internationales à l'Université de Pretoria et professeur invité à l'Université de Lund en Suède, où il a également obtenu sa maîtrise du doctorat en droit international. Il est membre du Harvard Kennedy École de gouvernement. Il a été conseiller juridique auprès de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il est actuellement membre et chercheur sur l'United States Army War College. Il est à l'actuel président du Comité national du droit international humanitaire de Malawi. Il a été plénipotentiaire pour la République de Malawi lors des négociations sur la Convention sur les armes à sous-munitions et le traité sur le commerce des armes. Il a publié de nombreux ouvrages, dont plusieurs livres. Ses publications plus récentes comprennent l'article Oxford, l'intervention de force pour la protection des droits de la personne en Afrique. Nous avons le docteur Émile Ouadrago, qui est professeur adjoint de pratique au Centre d'études stratégiques de l'Afrique, ici, spécialisé dans les questions liées à l'élaboration de stratégies de sécurité nationale et à la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité. Il a travaillé avec le CESA sur plus de 25 activités. Il travaille avec l'Africom, partenaire global. Et puis aussi, il a aussi effectué une mission de 6 mois avec l'Union africaine en 2017 en tant qu'expert en réforme du secteur de la sécurité et en gouvernance pour Madagascar. En tant que ministre de la Sécurité du Burkina Faso de 2008 à 2011, il a initié et développé une stratégie de sécurité intérieure et a opérationnalisé le concept de police de proximité de participants communautaires dans la gestion des questions de sécurité. Le docteur Ouadrago a été de même parlementaire à l'Assemblée nationale de Burkina Faso et au Parlement de la CEDAO, où il a siégé aux commissions des affaires publiques, de la paix, de la défense et de la sécurité. Nous avons donc beaucoup de chance d'avoir ces panélistes avec nous aujourd'hui, de partager leurs connaissances et points de vue. Nous allons donc commencer la discussion. Tout d'abord, beaucoup des participants avec nous aujourd'hui, le cadre de l'Union africaine sur les réformes de la sécurité a aidé à assurer qu'aucun membre du secteur de la sécurité va agir contre la loi internationale sans être redevable à cela. Ce cadre de l'Union africaine, les membres de l'État, l'État sont encouragés de mettre en place des organismes de médiation, des médiateurs, les ombudsman. Ensuite, tout d'abord, docteur Maloui, est-ce que vous pouvez expliquer comment les diverses institutions de contrôle au sein du secteur de la sécurité, du corps des inspecteurs, des bureaux de médiateurs sont censés promouvoir l'état de droit et pourquoi les responsables du secteur de la sécurité ont intérêt à les renforcer? Merci beaucoup, docteur Kelly, de cette question et bonjour à tous mes collègues estimés qui sont présents à ce webinaire. Comme Kat Ali,
Je m'appelle donc Dan Kouali. Permettez-moi de clarifier sur les concepts de la réforme du secteur de la sécurité et gouvernance qui d'habitude sont utilisés. On utilise ces termes, mais elles ne sont pas tout à fait pareilles. Pour commencer, la gouvernance du secteur de la, secteur de la sécurité parle des strictes structures et des processus concernant les décisions du secteur de la sécurité, alors que les réformes de la, du secteur de la sécurité, c'est pour améliorer le, de mieux fournir de, la sécurité sous contrôle démocratique. En ce qui concerne, pour simplifier les choses, l'objectif de la réforme du secteur de la sécurité, c'est arriver à une bonne gouvernance du secteur de la sécurité où les acteurs de sécurité sont redevables au peuple. Un autre point important qu'il faut bien repérer, c'est que la réforme de, du secteur de la sécurité s'applique non seulement à des situations post-conflit, elle s'applique aussi à des États en transition ou en développement. Alors, le concept de réforme du secteur de la sécurité démontre aussi un changement de paradigme concernant la compréhension de ce qui, ce qui est compris par la sécurité et que ça comprend aussi la sécurité humaine comme le rapport de 94. Alors, le point de départ du cadre de l'Union africaine pour la réforme, la RSS, exige que le secteur de la sécurité adhère aux mêmes règles de bonne gouvernance, que toute institution publique. Ceci est aligné avec les principes pour respecter l'état de droit. La, la RSS a aussi l'avantage de, promouvoir la paix, la sécurité, éviter les conflits, et de renforcer la discipline des acteurs de la sécurité. Généralement, dans notre dispensation, dans le, cadre démocratique, le secteur de la sécurité est formé de 4 groupes. Il y a les acteurs de sécurité, les professionnels que nous connaissons, les, la police, la gendarmerie, les militaires, les forces de sécurité. La seconde catégorie, c'est la gestion de la sécurité et les organismes de, contrôle, les ministres de la Défense, par exemple, ou des affaires intérieures ou des commissions publiques. Troisièmement, c'est les institutions juridiques, les prisons, les services des procureurs, etc. Et puis quatrième, il y a les forces de sécurité. Nous savons qu'actuellement, dans la plupart de nos pays, les forces de sécurité privées aussi, nous savons que cela est aussi un acteur. Le secteur de la sécurité devrait avoir des institutions de contrôle, telles qu'un corps d'inspecteur général ou des médiateurs. Nous devons promouvoir donc la redevabilité à travers ceci et encourager le professionnalisme et l'efficacité. La nature des organes de sécurité et le besoin d'adhérer aux objectifs de sécurité et de ne pas compromettre la sécurité nationale rend ceci nécessaire. Donc, en Afrique aujourd'hui, il y a beaucoup donc, de bureaux d'inspecteurs généraux, mais il n'est pas commun dans la plupart des pays africains d'avoir des médiateurs dans le secteur de la sécurité. L'exemple du Malawi, par exemple. Vous verrez que les services de police ont un bureau d'une commission indépendante qui fait un travail semblable à celui des médiateurs dans, ce secteur de la sécurité. Donc, la plupart de nos pays ont
un bureau public de médiateurs qui a à voir avec les fonctionnaires publics et implique les acteurs de la sécurité. Pour moi, il est au mieux que les organes de la sécurité soient sous la supervision, le contrôle de mécanismes d'audit officiels pour promouvoir la redevabilité. Quand les organes de sécurité sont assujettis aux audits, les branches exécutives et législatives s'assurent que le secteur de la sécurité a suffisamment de ressources pour acheter les bons équipements, pour mener les bonnes formations et pour réaliser leurs fonctions constitutionnelles. Donc, quand le secteur de la sécurité n'a pas d'institution de contrôle, comme il est requis par le cadre de l'Union africaine, ils sont assujettis au contrôle public, parce que ceci est un principe du contrôle du secteur de la sécurité. Alors, les officiers publics devraient garder le secret pour ne pas compromettre la sécurité nationale. Merci, Kate, de m'avoir donné cette opportunité et je serai heureux d'entendre vos questions. Merci. Alors, très bien. Voilà donc une présentation du côté de la branche exécutive. Je vais passer à Émile aujourd'hui, qui a servi dans les forces armées en tant que parlementaire, et lui parler de l'aspect législatif, du contrôle législatif. Alors, docteur Émile, pouvez-vous nous expliquer comment le contrôle législatif du secteur de la sécurité peut promouvoir en fait la bonne gouvernance? Pouvez-vous nous donner des exemples du travail parlementaire qui a un impact sur ceci? Et je sais que auparavant, avec le travail que nous avons fait avec les parlementaires ici au CESA, nous avons parlé de pourquoi les parlementaires et les fonctionnaires du secteur de la sécurité ont intérêt à avoir une relation de coopération plutôt qu'une relation conflictuelle. Alors, si vous pouvez nous donner un aperçu de ces questions, vous serions reconnaissants. Merci, Dr. Kelly, et bonjour à tous et à toutes. Je suis toujours ravi de me retrouver dans un cadre de partage d'idées et d'échanges, parce que c'est toujours enrichissant. Donc, c'est un énorme plaisir pour moi donc, de me retrouver donc, dans ce forum. Alors, Dr. Kelly, vous m'avez posé une question et je me rends compte que c'est trois questions qui sont résumées dans une seule question. Et je vois que c'est trois volets. Et le premier volet de votre question va donc m'amener à parler donc du contrôle parlementaire en tant qu'outil de la promotion des droits de la gouvernance. Et le deuxième volet de votre question va m'amener à parler donc du rôle, sinon la fonction même du parlementaire. Et enfin, votre dernière question va m'amener donc à parler des relations entre le Parlement et l'exécutif. Je vais parler des agents donc, de sécurité. Donc, pour aller très vite, je vous dirais d'emblée que les institutions et les mécanismes de supervision et dans n'importe quel pays, notamment en Afrique, sont les piliers donc, centraux de la démocratie et qui renforcent l'état de droit contre toute dérive autocratique et aussi contre la mauvaise gouvernance dont le docteur le général Danko Ali vient d'évoquer. Un État, ça c'est moi qui le dis, un État dont les forces de défense et de sécurité échapperaient au contrôle démocratique n'est au mieux qu'une démocratie inachevée ou en devenir. Parce que le contrôle démocratique et la supervision du secteur de la sécurité par le Parlement est au cœur donc, de la séparation et du partage des pouvoirs. Voilà pourquoi cela doit absolument fonctionner. Et cela aussi pourrait servir de baromètre pour évaluer l'enracinement de la démocratie et dans beaucoup de pays, et notamment dans le contexte africain. Et cela, quand on fait le constat, vous constaterez que dans les pays, surtout africains, plus les politiques sécuritaires sont effectives, je parlais de contrôle démocratique, plus l'état de droit
et la démocratie sont réelles et enracinées. Et à contrario, donc à l'inverse, quand vous voyez un pays où la faiblesse, où le manque du contrôle démocratique est donc la chose, dans la grande majorité, vous allez vous rendre compte que ce pays, donc, souvent, il y a beaucoup de dérives autocratiques et souvent de mauvaise gouvernance. Donc, ce qui veut dire que le thème d'aujourd'hui est un thème pertinent. Un thème pertinent. Et donc, nous allons donc essayer de le décortiquer. Alors, le deuxième volet de votre question, c'est par rapport donc, au rôle et aux missions du Parlement, des parlementaires dans le secteur donc, de la sécurité qui contribue à renforcer et à consolider l'état de droit et à renforcer la gouvernance. Alors, je dirais que la consolidation de l'état de droit dans un pays est une responsabilité partagée, une responsabilité partagée entre les trois pouvoirs, le judiciaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'élaboration et la mise en œuvre des politiques sécuritaires incombent tout naturellement à l'exécutif. Cela, c'est l'exécutif. Mais il revient maintenant au Parlement de demander des comptes à l'exécutif et d'en contrôler l'action. Et ce contrôle démocratique et la supervision, donc, vise donc à promouvoir et à soutenir les principes de la bonne gouvernance, de la prééminence de l'état de droit, du respect des cadres légaux, y compris donc les droits de l'homme. Et ça, c'est l'Union africaine, donc, dans ce document qui le dit. Alors, je dirais donc que par rapport donc au rôle dévolu au Parlement, comme vous l'avez demandé, c'est essentiellement la promulgation, la révision des législations, des institutions du secteur de la sécurité, la supervision du secteur de la sécurité à travers des instruments parlementaires, comme les questions, les débats, les demandes d'information, d'investigation et visites sur le terrain, et l'organisation des sessions ouvertes au public pour des raisons de transparence, et réclamations donc à l'exécutif et aux institutions de sécurité, des rapports périodiques sur les questions de sécurité. Et comme vous le savez tous, la commission donc défense et sécurité donc de l'Assemblée et donc accomplit cette mission. En résumé, je dirais que le contrôle parlementaire dans le secteur de la sécurité consistera donc à garantir que les ressources de l'État sont bien gérées et de manière efficace et effective, que le personnel du secteur de la sécurité se comporte avec honneur et intégrité, que les failles et les insuffisances sont détectées et corrigées et que ceux qui les commettent sont tenus responsables. En plus, ce contrôle parlementaire garantit que les institutions de défense et de sécurité agissent dans le meilleur intérêt de la nation et remplissent leur mission première, qui est celle d'assurer la sécurité du public et de protéger l'État contre toute menace interne et externe. Par rapport au troisième volet, je vais très rapidement dire que la collaboration et la coopération entre les parlementaires et les agents des FDS est un passage obligé. Ils ont besoin des uns et des autres parce que pour pouvoir mettre en place une politique de sécurité efficace, ils ne doivent pas donc se considérer comme des adversaires. Et je pense que pour cela, ils doivent établir un cadre de dialogue, un cadre un dialogue fondé sur la confiance. Ils doivent aussi établir des lignes de communication ouvertes, des lignes de communication donc, et la volonté de faire participer forcément donc l'autre. Et je pense que parlementaires et agents donc, de votre défense de sécurité sont les maillons, c'est les maillons d'une même chaîne dont les objectifs, in fine, visent donc le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. J'espère que j'ai répondu à votre question, Dr. Kelly. Thank you so much, Emil. Yes. Merci énormément, Emil. Oui, je vous ai beaucoup demandé en 6 minutes et vous nous avez donné beaucoup d'informations sur ce sujet. Je vais rester avec vous, Emil, pour vous demander une deuxième question. Vous êtes aussi l'auteur de l'article sur comment faire progresser le professionnalisme dans les armées africaines. Et donc, nous savons que vous avez fourni par écrit, et c'est disponible sur notre site web. Donc, je voulais vous demander
quels sont les trois principaux enseignements que vous avez tirés sur la matière, la manière de renforcer le rôle des institutions de médiation et des inspections militaires pour garantir efficacement l'état de droit et la bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité? Si vous pouvez nous parler encore 6 à 7 minutes sur ce sujet. Merci, Dr. Kelly. Alors, j'espère que vous m'entendez parce que je viens d'avoir coupé de courant ici. Dieu merci. Alors, je vais essayer donc de faire le lien entre la question précédente en disant que, et nonobstant donc l'existence d'un mécanisme de supervision donc au niveau du Parlement, il existe des textes législatifs effectivement et réglementaires dans la plupart des pays africains. Et ces textes-là, effectivement, sont là et régissent les forces de défense de sécurité. Et c'est pourquoi dans ma publication qui a été faite en 2014, je reconnais donc qu'elle est un peu dépassée, qu'il faudrait une relecture donc de cette publication, donc qui titrait pour la professionnalisation des forces armées en Afrique. J'ai fait quelques réflexions quand même sur les mécanismes de supervision et de contrôle, à savoir les services d'inspection, le contrôle parlementaire, et surtout les services d'inspection et l'ombudsman que le général Tampouadi vient d'évoquer tout de suite. Alors, avant donc de parler des principaux enseignements, je vais très rapidement donc faire un rappel de ce que j'ai dit et dans la publication. C'est les services d'inspection. On constate que les services d'inspection en Afrique, beaucoup sont inopérants, alors que ce sont des mécanismes quand même internes de supervision et de gouvernance mis en place dans la plupart de nos départements ministériels. Vous allez dans le département ministériel, vous prenez l'architecture des départements, vous allez voir un service d'inspection. Et au niveau donc de la défense et la sécurité, ces services d'inspection ont la principale mission de vérifier l'application des lois, les règles et les décisions ministérielles relatives donc aux aspects administratifs et financiers des activités des forces armées et des services de sécurité. Je n'ai plus que donc cet exemple. Participer à la formulation et la mise en œuvre de la politique de défense et des stratégies de sécurité nationale et émettre des rapports périodiques sur la gestion donc, du ministère. Mais malheureusement, je le dis malheureusement parce que dans la plupart de nos pays, il faut avoir le courage de l'affirmer, ces services ne sont pas très fonctionnels, ils ne sont pas du tout fonctionnels. Et certains existent uniquement pour compléter l'organigramme des ministères. Et vous prenez donc... certains services d'inspection, c'est dans beaucoup de pays, c'est des voies de garage, c'est des voies pour pouvoir garer certains hauts anciens responsables. Et je prends le cas de l'inspecteur des forces armées. Beaucoup d'inspecteurs des forces armées sont des anciens chefs d'état-major généraux des armées. Et l'inspecteur au niveau du ministère de la Sécurité, quand je suis arrivé en tant que ministre de la Sécurité, il était l'ancien et directeur général de la police nationale. Donc, quand vous prenez donc, ces anciens hauts responsables qu'on a mis donc, à cette place pour être inspecteur et faire un travail de contrôle et de supervision, vous comprendrez pourquoi donc, cela ne marche pas très bien. Je suis pour l'idée, comme là, ici au Mali, ils l'ont fait, quand ils se sont rendus compte que les services d'inspection sont des coquilles vides, ils ont donc décidé donc, que l'inspecteur des forces armées, par exemple au Mali, il rend compte directement au président de la République. Il ne rend plus compte au ministre de la Défense, il ne rend pas compte au chef d'état-major général des armées. Il rend compte au président de la République et il fait une copie au ministre de la Défense et au chef d'état-major général des armées. Et je pense que c'est après avoir constaté que les rapports donc, de ces inspections ne reflétaient pas la réalité des choses, étaient tronqués, étaient biaisés et étaient vraiment faits à la tête donc, du client. Pareil pour les inspections d'État. Vous prenez les services d'inspection d'État, c'est un outil de consolidation de la bonne gouvernance dans nos États. Et pour un État de droit, et vous avez à la tête donc un contrôleur général, comme l'a si bien dit le général Tampouadi. Alors, mais je peux vous dire que ces inspections d'État n'ont pas vraiment fait fléchir le phénomène de la corruption dans nos États, alors que pourtant, ils ont de nombreuses missions et de nombreuses attributions. Quand vous voyez certaines de leurs attributions, comme le respect des textes législatifs et réglementaires, l'optimisation des performances des services, la coordination et la tutelle technique des organes administratifs et contrôle internes, la prévention et la lutte contre la corruption
des infractions ainsi assimilées. Voilà. Donc, les déclarations d'intérêt et de patrimoine des personnes assujetties, c'est-à-dire les membres du gouvernement. Malheureusement, ces inspections produisent des rapports mensuels. Je pense que le général Dan reviendra en profondeur par rapport à ça. Mais c'est dommage de le dire encore. Ces rapports donc, d'activité annuelle de ces inspections d'État ne sont pas du tout exploités. Beaucoup dorment dans les tiroirs et certains, pire, sont orientés à faire du mal donc, aux opposants, c'est-à-dire les récalcitrants et les contestataires qui ne veulent pas se soumettre au parti au pouvoir. Là, on utilise un rapport donc, de l'inspection d'État et rapidement, donc, vous êtes mis en prison et vous êtes jeté en prison tout en protégeant donc, les membres du parti donc, au pouvoir et qui, bien sûr, ont des dossiers parfois très compromettants et très lourds. Le deuxième constat, c'est le contrôle parlementaire. J'étais parlementaire, c'est vrai, au niveau national et au niveau donc, régional. Il faut accepter de lui dire que le contrôle parlementaire, le législatif reste toujours quand même le ventre mou de la démocratie dans beaucoup de pays en Afrique. Parce que vous avez des assemblées nationales qui brillent par leur silence, leur silence coupable sur les grandes questions. Quand il y a des grandes questions sur la sécurité nationale, en ce moment que l'Assemblée décide donc de se taire et en utilisant un prétexte que j'estime qu'il doit être utilisé. Le prétexte est très fallacieux et c'est la question de la confidentialité des questions de sécurité. Et donc les parlementaires s'auto-censurent et décident de ne pas discuter des questions qui touchent à la vie et à la survie même de l'État. Donc avec cela, nous pouvons pas donc espérer que cela puisse faire avancer la gouvernance et l'état de droit. Voilà pourquoi nous devons absolument donc quelques enseignements donc tirés dans la publication mettre en place un médiateur militaire. Et je pense que Dan reviendra là-dessus. Je ne vais pas donc insister parce que ce médiateur militaire a pour avantage donc de pouvoir traiter uniquement des questions donc des questions de militaires. Il y a bien sûr des médiateurs civils. Un médiateur civil, c'est pratiquement tout l'État et tout le monde, mais un médiateur spécifiquement militaire pourrait donc prendre en charge donc, ces questions militaires. Et ce médiateur civil, je pense qu'il faut absolument le doter d'une autorité politique et juridique. Et c'est là qu'il permettra donc de pouvoir faire sa tâche. Et le deuxième enseignement que j'ai donc demandé au niveau donc dans ma publication, c'est le renforcement du contrôle parlementaire. Et je pense que, comme l'a dit Kelly, nous venons de finir donc un forum sur le Parlement. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut retenir que toutes les législatures africaines ont un mandat, le mandat qui a été conféré par la Constitution de contrôler, de superviser les politiques de sécurité. Mais pourquoi cela ne marche pas? Donc, je pense que ce forum-là nous a permis donc de constater que l'exécution effective de ce mandat constitue la seule ligne de défense. Ce ligne de défense, à mon avis, qui est sûr, pour donc préserver l'état de droit et améliorer la gouvernance dans un contexte de dysfonctionnement et des services d'inspection. Et pour cela, il faut que les parlementaires puissent avoir des trois éléments fondamentaux, et qu'on appelle en anglais les triple A, les trois A, à savoir la capacité, l'autorité et l'attitude. Parce que la capacité ici, c'est pour faire référence à la question de savoir si les législateurs, les parlementaires disposent des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour assurer la surveillance. Et l'autorité, c'est la question de savoir si les parlementaires disposent d'un mandat légal, ce qui est pourtant là, et d'ordre permanent suffisamment spécifique pour être en mesure de assurer la surveillance. Et l'attitude, donc, concerne la question de savoir s'ils ont la motivation, la volonté et les incitations suffisantes pour surveiller. Pour assurer cette surveillance. Donc, je crois que d'une manière ou d'une autre, le troisième enseignement que je pense pourrait aider à renforcer donc la gouvernance, c'est essentiellement donc le renforcement du système judiciaire militaire et les conseils de discipline. Les tribunaux militaires, en tout cas au niveau du continent africain, il y a beaucoup qui se sont montrés vraiment pas très efficaces quand il s'agit de poursuivre donc des auteurs de violations des droits de l'homme. Les dirigeants militaires doivent donc accorder une place prioritaire donc au renforcement du système judiciaire et en réalisant les cours de justice, j'espère que cela est très important, veiller à ce que donc
justice militaire soit compatible et conforme avec les normes internationales des droits de l'homme, comme l'indiqué donc la Charte de l'Union africaine, et faire en sorte que les conseils de discipline et dans la gestion des infractions de moindre gravité et puissent venir complémenter et être un complément donc au, à la justice, au système judiciaire militaire. Et pour terminer par un dernier enseignement, c'est le renforcement des valeurs des droits de l'homme et l'élaboration pour certains pays et d'un code de conduite. Il y a beaucoup de pays qui ont des codes de conduite et donc le code de conduite et d'autres n'en ont pas. Parce que l'éducation civique en elle seule ne suffit pas. Avec l'éducation civique sur le droit international humanitaire, je pense qu'un code de conduite pourrait impacter positivement sur le comportement des militaires et contribuer à soigner son image. Donc, le problème de ce code de conduite, il y a quand même des défis, parce qu'on constate de plus en plus que malgré donc, l'éducation civique et ce code de conduite, il y a toujours quand même des violations graves des droits de l'homme qui se passent pratiquement tous les quotidiennement encore sur le continent. Mais dans des pays en crise comme le Mali ou le Burkina, il y a un dilemme. Et ce dilemme, c'est comment empêcher les représailles de la troupe, un soldat qui a été fait prisonnier et qui a été torturé par des terroristes. Et on le libère. Dès qu'il est libéré, vous comprenez très bien donc que c'est une réaction humaine. Et nous allons donc, nous constatons de plus en plus donc qu'il y a beaucoup de dérives. Et mais cela ne doit pas expliquer toutes les violations donc massives donc dont nous sommes en train de constater et actuellement ça et là et sur le continent. Merci beaucoup, Kat. Merci beaucoup, Émile, d'avoir un peu mis à jour vos recommandations du rapport de 2014 pour nous ici avec ces 4 recommandations qui vont nous aider, bien sûr, j'imagine, pendant la session de questions et réponses. I will switch back to English because I am going to come to. Je vais maintenant parler en anglais parce que les deux prochaines questions sont pour le Dr. Kouali. Je vois que les participants posent déjà des questions et nous allons les collecter pour y répondre tout à l'heure. Dr. Kouali, je reviens à vous. Basé sur vos expériences et vos recherches, que pensez-vous sont les deux forces, les deux faiblesses des médiateurs pour assurer une bonne gouvernance? Vous pouvez utiliser des exemples du Malawi. Vous pouvez aussi nous parler à savoir comment les droits de la personne, les commissions indépendantes qui sont en place dans certains pays pourraient améliorer et renforcer l'équilibre de pouvoir. Alors, je sais que je vous demande beaucoup dans quelques minutes, mais si vous pouvez nous donner votre point de vue et du point de vue de l'Afrique australe. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup, Kate, de votre question. Alors, je vais vous donner pas deux, mais 5 points forts. Mais je vais commencer avec 2 faiblesses. Je vais commencer avec les faiblesses. Mon point de vue, c'est le manque de compétences des leaders, les compétences stratégiques. Et vu les complexités du secteur de la défense et de la sécurité, deuxièmement, le manque de compréhension du contrôle civil sur tout l'élément de ce que comprend le suivi et le contrôle. Il faut avoir davantage d'entraînement, de formation, d'éducation pour mieux comprendre cela. Au Malawi, par exemple, ce qui est très bien, un point fort, c'est l'encadrement juridique. Le secteur de la sécurité qui veut bien répondre et suivre la loi. Nous avons aussi une société civile très active et une législature qui se penche bien sur ce que fait le secteur de la sécurité, aussi le côté judiciaire très ouvert. Alors, au Malawi,
La Cour gère tout ce qui concerne la performance des obligations des institutions au Malawi, de leurs responsabilités. Alors, à part le suivi, le contrôle des comités, comme Dr Ouedraogo vient de mentionner, les droits de la personne, les commissions des droits de la personne sont des institutions clés pour le contrôle du secteur de la sécurité. La transparence est très importante qu'elle soit promue pour améliorer la confiance dans ces secteurs. Mais une chose que j'ai remarquée, c'est que ces mécanismes de suivi, de contrôle, souvent sont réactifs plutôt que proactifs. D'habitude, ils adviennent lorsque les abus ont déjà eu lieu. Il est donc important que ces corps institutionnels doivent prendre leur rôle au sérieux. Ils ont besoin, leur mandat fournisse la sensibilisation. Ils doivent être proactifs concernant les fonds publics, les ressources et empêcher les abus. Bien sûr, ces institutions publiques doivent aussi avoir un financement adéquat pour remplir leurs responsabilités et leurs rôles. Alors, autre chose, les institutions, comme Émile vient de le mentionner, ne sont pas ennemies ou en rivalité, mais les deux faces de la même pièce pour protéger le public. Donc, on doit avoir une relation de travail qui fonctionne bien pour souligner la politique de stratégie de sécurité nationale. D'après un pays qui respecte la démocratie et l'état de droit va avoir moins de conflits si elle est en conformité avec les règles. Cela va renforcer le professionnalisme et aussi renforcer la paix et la sécurité dans un pays. La stratégie de sécurité nationale doit aussi, de mon point de vue, être bien mise en place. Je vois que la politique de l'Union africaine, de la réforme de la sécurité de l'Union africaine, démontre que le secteur de la sécurité ne doit pas sous-miner les plans de sécurité nationaux. J'espère que cela répond à vos questions, Dr Kelly. Oui, merci beaucoup, Dr Kouali. Je voudrais vous poser une autre question pour suivre cela. Je veux parler cadre du secteur de la sécurité, les révisions, les audits des institutions du secteur de la sécurité. Je sais que vous avez eu des expériences dans les audits du secteur de la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous entreprenez ces audits et quels sont les pas que vous avez pris pour renforcer le professionnalisme chez les militaires et les forces de l'ordre? Merci, Dr Kelly. J'ai trois points à aborder. Quand l'Union africaine a souligné le fait que la réforme du secteur de la sécurité a vraiment souligné cela, mais on ne peut pas oublier la gouvernance du secteur de la sécurité qui, pour moi, est plus pertinente. La réforme du secteur de la sécurité dominait en fait après la guerre froide, mais on doit quand même se focaliser sur la gouvernance, sur la mise en œuvre. Donc, le cadre de l'Union africaine a été adopté en 2013 et beaucoup de choses se sont produites depuis. Et donc, ce que j'essaye de souligner là, c'est que la focalisation pour la réforme de la gouvernance ne devrait pas seulement être sur le secteur de la sécurité, mais aussi sur les autorités civiles. Sam Huntington et Maurice Janowicz ont suggéré que les relations civilo-militaires sont un trafic à deux voies. On ne peut pas avoir un secteur de la sécurité professionnelle si les autorités civiles ne comprennent pas leurs responsabilités par rapport au secteur de la sécurité. Deuxièmement, les audits devraient
ne devrait pas seulement prendre place quand il y a des soupçons de fraude ou de détournement de fonds. C'est vraiment, ça devrait être quelque chose qui est normal, une pratique régulière. La loi souvent donne des orientations pour les audits et leur chronologie. Quand il n'y a pas d'orientation, les leaders stratégiques devraient établir des cadres pour ces audits. Donc, ces audits pourraient en fait dissuader les abus et le détournement de fonds publics. Troisièmement, les audits ne devraient pas juste être limités à l'aspect financier au fond, mais devraient s'étendre en fait à des processus comme le recrutement, les marchés publics et une meilleure préparation et la modernisation. Et donc, ces cadres de gestion de la défense ont beaucoup de conséquences. Par exemple, le recrutement a un impact sur la qualité des soldats, sur le professionnalisme. Donc, c'est un processus qui doit être pris au sérieux. Je dois ajouter que nous avons besoin d'étendre, d'agrandir le domaine des responsabilités au-delà des leaders stratégiques. Les formations sur la gouvernance se focalisent souvent sur les leaders de haut niveau et oublient en fait les individuels à des niveaux plus bas. Pour moi, tout le monde devrait en fait être un gardien de la profession et devrait comprendre la gouvernance du secteur de la sécurité et l'importance du respect des mécanismes de contrôle. Ceci est essentiel pour s'assurer du professionnalisme, la cohésion et l'esprit de corps dans ce secteur. Merci énormément d'avoir souligné ces points. Ce sont des points très important et vous avez parlé des officiers et les leaders de niveau plus bas. C'est un point très important en effet. Je vais maintenant revenir vers Dr. Émile pour une dernière question et nous avons maintenant aussi des questions de l'audience et de beaucoup d'anciens élèves. Alors, Dr. Émile, vous avez noté dans vos recherches que certains des défis de l'état de droit et du contrôle qui font face aux pays africains ont à voir avec l'évolution des menaces sur les dernières décennies. Elles n'ont pas forcément à voir avec un combat militaire, mais plutôt à comment on peut fournir la sécurité aux citoyens. Et donc des menaces non conventionnelles, les problèmes avec le grand banditisme, la circulation d'armes légères. Et vous avez noté dans vos rapports que ceci exige des approches de gouvernance et des approches moins traditionnelles du secteur de la sécurité. Vous avez recommandé de réorganiser les structures pour mieux identifier les menaces et les intégrer dans une politique cohérente de défense qui va améliorer la pertinence, le prestige des forces armées africaines. Étant donné ce contexte, pouvez-vous nous donner un exemple de comment une réorganisation du secteur de la sécurité prend place actuellement sur le continent et comment la mise en œuvre des stratégies peut impacter l'état de droit et la gouvernance en Afrique. Merci beaucoup, Dr. Kelly. Et je constate encore que votre question comporte au moins 3 à 4 volets. Et donc, je vois déjà qu'il faut que je fasse un état des lieux d'abord au niveau donc, de la publication que j'ai faite et ensuite parler un peu de la nécessité de développer une stratégie de sécurité nationale pour faire face aux nouvelles menaces, comme vous l'avez si bien mentionné. Et ensuite, comment est-ce que cette stratégie de sécurité nationale peut impacter donc la bonne gouvernance et le secteur de la sécurité et la bonne gouvernance et l'état de droit. Alors, en introduction, je dirais que je vais ramener un peu le contexte parce que là, nous sommes obligés de faire un état des lieux. Le CESA, dans le cadre de son programme intitulé « Développement des stratégies de sécurité nationale »,
a entrepris en 2018 une étude donc de 10 pays donc sur le continent. J'ai participé à cette étude et cette étude a concerné donc le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Mali, Madagascar, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan du Sud et l'Afrique du Sud et le Botswana. Alors, c'était une étude qui était donc censée faire vraiment une introspective des stratégies donc de sécurité de ces pays et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour le futur au niveau du continent. L'étude donc a révélé très, très rapidement les points suivants. Une étude qui a été faite donc, pratiquement dans 10 pays du continent, que la plupart des pays en Afrique n'ont pas une vision globale de la sécurité nationale. On n'a pas une vision globale qui permet donc de, depuis les indépendances, qui vous permet donc de revoir l'organisation de l'architecture. Et cela peut être un peu difficile donc à pouvoir faire face aux menaces. Et on a constaté aussi dans cette étude qu'il n'y a pas de cohérence entre les stratégies sectorielles et dans beaucoup de pays. Vous prenez la politique de défense ou la stratégie de sécurité militaire, elle n'est pas en cohérence avec la stratégie de sécurité intérieure au niveau donc, du ministère de la sécurité intérieure. Chaque institution a développé donc, indépendamment et séparément sa propre stratégie et sans aucune concertation. Donc, cela montre justement qu'il y a un manque de vision globale. C'est ce manque de vision globale-là qui fait que beaucoup de menaces et beaucoup donc, de risques ne sont pas pris en compte dans la gestion de problèmes sécuritaires en Afrique. Et on a constaté aussi qu'il y a une approche de politique de sécurité qui est trop centrée sur l'État. La plupart des pays qui ont été étudiés, la sécurité, c'est d'abord l'État et la population vient par la suite. Alors qu'il faut quand même une sécurité qui puisse prendre en compte, qui puisse concilier les deux, la sécurité de l'État et la sécurité donc, de la population. D'où donc la nécessité impérative pour la grande majorité des pays africains de s'orienter vers le développement d'une stratégie de sécurité nationale qui puisse prendre en compte à la fois, comme je l'ai dit, la sécurité de l'État et la sécurité humaine. Ça, c'était un constat avec une étude qui a été faite. Vous avez donc ces études sur le site web du CESA et donc pour les 10 pays. Donc, vous pourrez constater donc, que c'est un résumé de ces études-là que je viens de vous faire. Mais ce qui est intéressant, après 2018, beaucoup de pays africains, ça c'est la bonne nouvelle, beaucoup de pays africains ont décidé donc d'élaborer des stratégies de sécurité nationale. Et au nombre de ces pays, nous avons déjà donc des pays comme le Sénégal, des pays comme le Niger, le Burkina, le Botswana qui est en train d'élaborer, le Ghana qui vient de publier donc sa stratégie de sécurité nationale, et Nigeria qui avait déjà publié en 2014 et qui en fait une relecture. Et c'est cette approche inclusive et participative donc vise à donner une vision holistique et coordonnée des questions de sécurité. Alors, donc, à terme, les stratégies donc, de sécurité nationale en cours d'élaboration, qui sont en train d'élaborer, pour répondre donc à votre question, selon les dépositaires uniques qui vont donner une vision et harmoniser et rendre cohérent donc, toutes les politiques sécuritaires et donc depuis l'indépendance. Et cela aussi va contribuer à ne pas donc sans doute donc à une gestion efficace et rationnelle des ressources de sécurité et aussi bien sûr consolider la démocratie et l'état de droit. Alors l'impact donc de ces stratégies donc sur la bonne gouvernance du secteur de la sécurité et l'état de droit, je peux retenir 5 ou 6. D'abord c'est le caractère inclusif et participatif du processus. Le processus fait en sorte que toutes les composantes de la population et sont prises en compte dans l'élaboration même de ces politiques et de ces stratégies de sécurité nationale. Et le débat sur la question de quelle sécurité nous voulons pour nos pays. Sécurité de l'État, sécurité donc de la population. Et comme je l'ai dit, il faut une sécurité qui prenne en compte celle de la population et celle de l'État. Et cela, il faut arriver à le faire avec un consensus donc, de toutes les composantes de la population. Les menaces, comme l'a dit le docteur Kelly, effectivement, en plus des menaces traditionnelles que nous connaissons de type classique, nous sommes tous d'accord aujourd'hui que les conflits en Afrique ne sont plus inter-États, mais sont intra-États. Et une partie d'ailleurs est due à des problèmes de gouvernance et des problèmes de manquement à l'état de droit. Donc ces nouvelles menaces émergentes
donc seront prises en compte dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale. Et c'est ça qui peut être extrêmement important. Et cela nous permettra donc d'avoir une transparence, parce que le principe de la protection de la sécurité nationale renforce la transparence. Et si, quand ça renforce la transparence, ça veut dire que ça renforce forcément la gouvernance. Et parce que la gouvernance est un principe cher, donc, et ça peut éviter, donc, ça peut nous amener donc à éviter les conflits d'intérêts entre les différents organes de sécurité de l'État. Dans le processus, encore un élément important, c'est la veille stratégique. La veille stratégique pour un groupe permanent permet donc à nos États d'avoir une capacité d'anticipation. Une stratégie de sécurité nationale, c'est d'avoir une vision, mais c'est aussi une capacité d'anticipation, une capacité de réactivité, une capacité de résilience et une capacité de monter en puissance. Donc, tout cela, et tout en prenant en compte donc, l'environnement international, parce qu'aucun État ne vit en vase clos, et aussi donc prise en compte dans l'élaboration de la politique des principes fondamentaux d'un État de droit et des clauses et des instruments légaux internationaux auxquels donc nos pays ont adhéré est un gage donc sont des gages donc de renforcement donc de l'État de droit et du respect du droit international. En mode en guise de conclusion, je dirais que en plus du renforcement des capacités d'anticipation, de résilience et de réactivité et de montée en puissance que je viens de mentionner et tantôt face aux menaces, les menaces donc qui sont devenues de type nouveau, donc Dr Kelly vient de mentionner, la stratégie de sécurité nationale va offrir aux pays africains un cadre idéal de renforcement de l'état de droit et de la gouvernance, à ne pas douter du secteur de la sécurité, dans un contexte qui est caractérisé par un manque crucial de ressources. Et cela nous permettra la stratégie donc d'accorder un ordre prioritaire donc aux questions de sécurité, aux questions de menaces et faire en sorte donc que le contrôle démocratique soit vraiment institutionnalisé et performant et faire en sorte donc que cela puisse être fait dans les limites légales de la Constitution et de l'État de droit. J'espère que j'ai répondu à votre question, Dr. Kelly. Merci beaucoup, Dr. Emile. Et avec ceci, c'était un échange très enrichissant déjà entre nous trois, mais pour le reste du webinaire, nous allons tourner aux questions que les participants distingués ont posées. I'll give each of you. Je vais vous donner à chacun un ensemble de questions parce que nous avons à peu près 17 minutes et vous devriez vous sentir libre de répondre à celles que vous voulez, auxquelles vous voulez répondre. Nous en avons beaucoup. Alors, je vais vous en donner 5 et il va falloir y répondre rapidement. Alors, d'abord, dans mon pays, à la Sierra Leone, le Conseil de la Défense est présidé par le président et le Conseil de la Police est présidé par le vice-président. Ces deux conseils font partie des mécanismes, mais ont des règlements. Donc, est-ce que ceci n'est pas un obstacle par rapport au rôle du Parlement pour qu'ils puissent en fait effectuer leur rôle dans ce processus de contrôle? Alors, c'est à propos du contrôle exécutif de ces mécanismes de contrôle à la Sierra Leone et comment ceci impacte le rôle du Parlement. Une autre question aussi liée au contrôle exécutif. Le contrôle exécutif est important au sein des mécanismes de gouvernance du secteur de la sécurité, mais que peut-on faire contre les excès dans cette prise de décision qui vont au-delà des règles de l'état de droit, quand c'est surtout pour les intérêts d'un parti politique? Alors, si on parle de la politique partisane dans ce contrôle, étant donné à quel point la branche exécutive est forte dans les pays africains, alors avez-vous des commentaires à faire sur ceci? Une troisième question concerne le contrôle civil et civique. Voyons, attendez un instant. J'ai perdu la question, attendez un instant.
Est-ce qu'il y a une différence entre contrôle civique et contrôle des civils dans le secteur de la sécurité? Je pose cela parce qu'il y a des effectifs du militaire qui préfèrent le contrôle civique au contrôle civil, alors qu'ils essayent de s'habituer à l'idée de contrôle provenant de l'extérieur de militaires. Nous avons aussi une question provenant d'un francophone concernant le Sénégal et l'état de droit. Cet exemple de l'Afrique que vous avez mentionné, est-ce que vous pouvez élaborer cela? Et je vais poser une question que nous avons en français. Je vais la lire maintenant. S'il est vrai que le contrôle parlementaire doit permettre d'améliorer les performances du secteur de la sécurité, comment expliquez-vous la faillite de ce secteur dans les pays du Sahel alors que ceux-ci sont en démocratie depuis les années 90? Emile, je crois que cette question, la question dernière ici, la dernière question est pour vous, étant donné vos spécialités. But I think what I'll do is there are ample questions for either of you. Mais ce que je vais faire, il y a assez de questions là pour vous deux. Ou bien vous pouvez choisir les questions que vous voulez, auxquelles vous voulez répondre. Il y a la question de Sierra Leone, la question des partis politiques et des parlements et leur rôle dans le contrôle. Et puis le contrôle civique, contrairement au contrôle des civils en ce qui concerne la préférence des militaires. Et puis la question du Sénégal et la question des parlements dans les pays du Sahel. Alors, je crois que Dan, je vais vous donner les trois premières questions et puis Dr. Emile, on vous laissera les deux autres questions. Très bien, Dr. Kelly, merci beaucoup. Je voulais... j'aurais pensé que Dr. Emile, par seniorité, répondrait en premier, mais je vais commencer à savoir s'il y a une différence entre le contrôle civique ou le contrôle civil. Initialement, lorsque le concept a été promulgué, le raisonnement était que le contrôle civil des militaires, c'était cela, mais maintenant ils réalisent que l'essentiel de ce contrôle, c'est de favoriser les valeurs démocratiques. Alors ensuite, on a parlé de contrôle démocratique des militaires. En parlant des militaires, donc, ils n'incluent pas la police et d'autres. Alors maintenant, on parle du contrôle démocratique de tout le secteur de la sécurité. Alors, pour répondre à la question entre le contrôle civique et le contrôle civique, c'est la même chose, c'est juste, ça s'appelle différemment. Mais actuellement, on parle surtout de contrôle démocratique de tout le secteur de la sécurité. Cela, c'est pour assurer que les décisions importantes concernant l'utilisation de la force de la sécurité nationale, ces décisions doivent être prises par ceux qui sont redevables et responsables aux électeurs. Souvent, l'exécutif et les militaires sont nommés par l'exécutif. Alors, on veut que ce sont plutôt les élus qui vont prendre ces décisions, les parlementaires. Maintenant, je vais me tourner à la question de contrôle exécutif. Alors, là où vous mettez le président et le vice-président dans le même mécanisme de prise de décision, ça dépend de ce que dit la loi. Si c'est le cadre juridique, on ne peut rien dire. Mais le désavantage de cette approche, c'est que vous avez tendance d'affaiblir l'équilibre de pouvoir et donc d'affaiblir la redevabilité. Et donc, il n'y a personne vraiment pour contrôler. Et donc, il y a aussi, vous êtes désavantagé par le manque de points de vue différents et le principe des séparations des pouvoirs est en frein. Et donc,
cela réduit la redevabilité. En ce qui, à savoir si les partis politiques ont quelque chose à dire concernant la réforme de du secteur de la sécurité, des stratégies nationales de sécurité, je dirais oui, si ceux-là sont des représentants du peuple. Par exemple, dans mon pays du Malawi, si vous vous penchez sur la Constitution, elle dit que les politiques de l'exécutif doivent refléter les aspirations et la volonté du peuple. Alors, du moment que les partis politiques répondent aux besoins et à la volonté et aux aspirations de la population, ça marche. Mais s'ils se mettent en premier, le peuple en deuxième plan, en arrière-plan, ça ne marche pas. Merci beaucoup. Merci, Dr. Kouali. Oui, je pense qu'il y a d'autres commentaires dans la boîte de chat en français et en anglais de faire la différence entre les différences cosmétiques, superficielles ou non, à savoir ce que font les partis politiques, s'ils représentent bien les populations et de bien avoir en place l'équilibre des pouvoirs de la meilleure façon. Et donc, cela fait allusion aux commentaires que nous avons vus dans le chat tout à l'heure. On n'a pas pu adresser tous les commentaires, mais je voudrais noter que la force des institutions démocratiques qui sont nécessaires pour bien assurer le contrôle, justement le contrôle démocratique du secteur de la sécurité. Merci, Dr. Amy. Maintenant, je vais me tourner vers vous. Et Amy, vous pouvez répondre aux questions que vous voulez, mais surtout la question du Sahel. Nous espérons que vous allez vous y pencher en particulier. Merci. Merci beaucoup, Dr. Kelly, et merci à l'audience pour ces questions très pertinentes. Et ce qui marque l'intérêt donc que vous portez à ce webinaire et à cet événement et qui porte donc sur les institutions de supervision et de contrôle, comment cela peut influencer la gouvernance du secteur de la sécurité. Alors, cette question, elle est très pertinente et je vais aussi essayer de répondre avec un peu de recul en tant que ancien ministre de la Sécurité et aussi en tant qu'ancien parlementaire au niveau donc du Parlement de l'Assemblée du Burkina et de la CEDEAO. Alors, cette question pose le problème d'abord de pourquoi est-ce que le contrôle parlementaire, malgré les contrôles parlementaires, nous assistons donc à une faillite au niveau donc de la démocratie depuis les années 90, particulièrement dans les États du Sahel. Il faut reconnaître une chose. La première des choses, je l'ai dit dans ma présentation, le contrôle démocratique et la supervision du secteur de la sécurité par le Parlement est au cœur de la séparation et du partage des pouvoirs. Et j'ai effectivement affirmé que si cela est effectif, ça pourrait servir de baromètre pour évaluer l'enracinement de la démocratie dans les pays africains. Et je l'ai dit, cela veut dire que quoi? S'il est effectif, cela pourrait donc servir de baromètre dans l'enracinement de la démocratie donc, dans les pays du Sahel. Mais qu'est-ce que nous constatons? Je l'ai dit, ces parlements des pays du Sahel ont les dispositions légales, la Constitution les permet de faire un certain le contrôle. Je l'ai dit, ils sont autorisés donc légalement à aller donc faire en sorte que de pouvoir rentrer dans les casernes, de pouvoir interpeller le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, mais ils ne le font pas. Moi, j'étais ministre de la Sécurité, j'ai dit 3 ans, on ne m'a jamais interpellé à l'Assemblée. Donc, il faut que cela puisse être bien compris. Le mécanisme est là, mais si vous avez un couteau, et donc vous ne faites pas usage de ce couteau, il va finir par se rouiller. Donc, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je l'ai dit aussi dans mon intervention que, justement, beaucoup de parlements africains sont les ventres mous de la démocratie. Ventres mous parce que beaucoup, et d'ailleurs ça rejoint une des questions qui a été posée, pensent que dès qu'on est élu, il faut absolument défendre le parti qui vous a élu. Non, quand vous êtes élu au Parlement, vous êtes là pour défendre l'intérêt national. Vous êtes là pour défendre toute la population.
Vous devez oublier donc vos positions partisanes et faire en sorte donc que tout ce que vous amenez, tout ce qui est posé comme problème à la nation, vous puissiez les amener donc en débat et trouver des solutions. Donc, c'est ça qui a fait que, pourquoi, avec, c'est ça qui a amené les conséquences fâcheuses et où nous constatons un recul d'abord de la démocratie. Nous constatons que les problèmes de sécurité ne sont pas et restent vraiment très, très prégnants donc, dans le Sahel. Je crois que si le Parlement faisait son travail et que, effectivement, cette méfiance entre le Parlement et l'exécutif était brisée, parce qu'on a l'impression que le Parlement va automatiquement bloquer les dossiers donc, de la défense. Et si ils sont bien briefés sur les problèmes de sécurité, je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait pas être là. Alors, donc, ça, c'est une question donc, très pertinente. Voilà pourquoi j'ai proposé dans cette conférence qu'on revienne donc à des principes fondamentaux pour les parlementaires, à savoir donc les 3 A, à savoir donc il faut donc qu'il y ait d'abord une latitude donc qui met les parlementaires dans des conditions donc qui les permettent donc de pouvoir exercer et leur travail. Et c'est surtout la motivation qui manque souvent. La motivation et la volonté ne sont pas souvent au rendez-vous. Et je peux aussi le dire que le manque aussi de qualification de certains parlementaires fait qu'il y a, il y a des obstacles naturels. Quand vous dites d'aller contrôler quelque chose et vous ne maîtrisez pas la chose, ça fait que cela est un peu difficile. Et l'autorité, je pense qu'il y a déjà tout ce qu'il y a comme légalité, il faut qu'ils puissent, d'une manière donc autoritaire, décider donc de pouvoir exercer leur mission donc de contrôle et de contrôle parlementaire. Et vraiment, il faut que les États aujourd'hui reconnaissent qu'il faut donc mettre à leur disposition donc cette capacité de pouvoir faire ce travail. Ces capacités, c'est les capacités techniques et humaines, les capacités financières pour pouvoir assurer donc la surveillance. Et si nous le faisons, vous allez constater donc que la démocratie sortira renforcée dans les pays du Sahel, que la sécurité reculera parce qu'il y aura il y aura en tout cas un dialogue et des cadres d'échange entre le Parlement et les responsables donc, de la sécurité, et cela pourra donc bien sûr renforcer l'état de droit et la démocratie. Merci beaucoup, Kelly. Merci beaucoup, Émile. Et parce que nous avons 2 minutes qui nous restent, et j'ai vu d'autres questions, je vais vous poser une autre question, Émile. Si possible, étant donné ce que vous connaissez de l'exemple du Sénégal, une démocratie qui a sa tradition civilo-militaire notable dans la région, qui a aussi commencé à élaborer une stratégie de sécurité nationale, pourriez-vous faire un petit commentaire sur l'exemple du Sénégal, ce que certains participants ont évoqué dans le chat? Ainsi qu'il y avait une question à propos du processus de développement de stratégie de sécurité nationale qui nous demandait est-ce qu'il y a des exemples des pays, je crois que c'est vrai pour le Sénégal, où la société civile a été consultée avec la public pendant le processus d'élaboration de ces stratégies. Alors, si vous pouvez prendre seulement 2 minutes ou quelques pour évoquer cet exemple, on va terminer par cet exemple, le webinaire. Merci beaucoup, Dr. Kelly, et merci à ceux ou à celles qui ont posé cette question pour le Sénégal. Je viens d'ailleurs du Sénégal il n'y a pas plus d'un mois, où j'ai donné des cours sur la réforme du secteur de la sécurité, et il y avait la société civile. Il y avait la société civile qui était largement représentée, il y avait l'État qui était aussi, bien sûr, présent, et ça a été d'ailleurs organisé par la société civile, cette formation donc de la CDAO sur le renforcement donc, et sur la réforme du secteur de la sécurité. Pour dire que le cas du Sénégal, c'est pas seulement le Sénégal, le Cap-Vert, un certain nombre de pays très limités, 6 pays qui n'ont jamais connu de coup d'État en Afrique. Il faut partir de là. Cette tradition de n'avoir pas de coup d'État est extrêmement importante et cela a fait en sorte que ces pays qui n'ont pas connu de coup d'État, les forces de défense et de sécurité sont plus professionnelles que les autres. Parce que le coup d'État, je veux dire,
l'immixion de la sécurité dans l'arène politique et déprofessionnalise vraiment les forces de défense et de sécurité. Et les pays comme le Sénégal n'ont jamais connu de coup d'État et l'armée est restée donc dans sa mission première. Donc, et dans cette mission première, elle a été renforcée donc, par une professionnalisation de ses forces à travers beaucoup de missions dans le domaine du maintien de la paix et en restant politiquement neutre. Et cela a fait donc que c'est un exemple qu'il faut citer et parmi, en tout cas, beaucoup d'autres pays. Et j'ai dit le péché mignon pour les forces de défense et de sécurité, c'est l'immixtion dans les affaires politiques, dans les États. Et une fois que le militaire ou les forces de défense et de sécurité rentrent en politique, c'est le début de la déprofessionnalisation donc de ces forces-là dans ce pays. Et cela a des conséquences qui peuvent traîner longuement et affecter, bien sûr, non seulement la gouvernance, mais aussi l'état de droit. Donc, voilà. Merci beaucoup, Émile. Alors, avec ceci, je vais dire un grand merci à nos deux panélistes, le Dr Kouali et le Dr Ouédraogo. Merci à tous nos participants qui ont très activement posé des questions pendant les présentations. Il y avait même d'autres questions qu'on ne pouvait pas élaborer ici, mais je vais vous rappeler pour ceux qui peuvent rester avec nous pendant une autre heure. Nous allons prendre une petite pause de 5 minutes pour terminer le webinaire, pour dire au revoir et merci à nos panélistes, sauf s'ils veulent rester avec nous. Je crois que Dr Kouali peut rester avec nous. Émile, il a d'autres travaux à faire aujourd'hui. Mais après 5 minutes, pour ceux qui veulent rester, on va avoir une discussion avec des règles de non-attribution pour continuer l'échange sur ce thème. Alors, si vous voulez rester ici avec nous, vous pouvez aussi lever votre main avec le bouton « Lever la main » dans le logiciel Zoom et on va vous transférer dans la salle pour la discussion ouverte qui va commencer dans 5 minutes. Avec ceci, nous disons un grand merci à nos deux panélistes et je vous remercie beaucoup d'avoir participé dans le webinaire aujourd'hui. Merci, Émile. Merci, Dan. Et au revoir.